Yo les gens, c'est Gwael, comment ça va? Joyeux Noël, j'espère que vous êtes chaud. On se fait un petit opening pour lancer le dernier giveaway à 1000 gold. Je peux faire gagner 1000 gold à 5 personnes. Pour participer, c'est très simple. Likez cette vidéo, commentez sur cette vidéo votre pseudo in-game, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le petit Discord dans la description de cette vidéo pour avoir le nom des gagnants dans une semaine. Et du coup, on va pouvoir se lancer avec cet opening. On commence avec des petites orbes qui traînent. On a ici un peu d'équipement avancé. Alors, on va s'ouvrir ça avant de partir sur les orbes de Noël. Et puis, des orbes d'équipement simple. Ça va être vite fait, bien fait. Là-dedans, il n'y a que de la merde. Du violet, mais bon, je sais pas trop ce qu'il y a de violet dans cette orbe. C'est le 25 ici, mais bon, on s'en fout un peu. Allez, on enchaîne avec des plans d'armes élite. J'ai une box, waouh, avec il me faut voilà, des trucs comme ça, des plans 3. Le reste, on s'en fout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Orbe de plan avancé. Ah, ça, c'est bien ça. Il y a des trucs violets là-dedans. Non, pas là-dedans. D'ailleurs, pour Noël, j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. Moi, j'ai été gâté, j'ai eu des chaussettes, des vêtements, et puis des trucs cool quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, toujours pas de trucs violets, que de la merde. Non, toujours pas. Ok, donc les orbes de plan d'armes avancées, c'est quand même un peu naze. Bon, les orbes d'arène, je vais vous les épargner. Tout ce qu'il y a par là, on n'en a pas vraiment besoin. Les orbes légendaires, on va garder ça pour les prochains persos du SHB. Et du coup, on va s'ouvrir des petites orbes de Noël. Hop, une petite orbe de Noël qui nous donne, je crois qu'il y en a une qui s'est ouverte, je sais pas ce qu'il y a eu dedans, qui nous donne un peu de gold, un peu de montagne. Ouh, elle est jolie celle-là. Joyeux Noël à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? 4 orbes rivales. Ok, et 100k. Bon, on va pas se plaindre. 4 orbes pour une orbe. Toujours bien. 250 gold, ça c'est cool. Et puis un peu de Santa Bliss. Et puis des gold. Ça c'est cool. Un peu de truc bof. Un peu de truc bof. Et puis, hey, 250 gold. Ça, c'est bon, ça. Du violet. Du violet pour une orbe légendaire. Bon, ça va. On va se plaindre. Et puis du bleu. Et dans ce bleu, 250 gold. Mais waouh! Waouh! Ouais, bah ça c'est quand même bien nul. Un petit peu de Dokkaebi, c'est pas mal. 100 gold, c'est bien. Ouh, alors qu'on retouche du rouge. On a la chatte là. On a la chatte aujourd'hui. Et 600 crédits clés d'orbe légendaire. Donc 4 orbes légendaires, ça c'est bien. C'est très très bien. C'est très très cool. Et puis 200 gold. Et puis, ouais, il reste une dizaine d'orbes. Voilà, un peu de bleu. Un peu de bleu, 100 gold, 250k, silver, c'est bien. Un peu d'argent. Un peu d'argent pour Noël. Petite orbe un peu bof. Un peu de bliss. Ah, 100 gold, un peu de bliss encore. Et puis, une orbe un peu bof. Ça, c'est du violet. Un petit pas de violet avec 20 cavera, dis donc. 20 cavera et presque une orbe légendaire. Ça va. Ça va. 100 gold, il reste 4 orbes. Un petit peu de bleu. Et de la Dokkaebi. Un petit peu de bleu encore. Et de la cavera. Ça, c'est du violet. Alors que 20 de bliss. C'est bien, on avance vers la 9e étoile.
Et dernière, alors qu'on aura vu deux rouges hein, en genre 25 orbes, c'est pas mal. Et puis on se termine sur une petite orbe normale. C'est correct. T'as vu, c'est correct. Du coup, on est à 46 orbes légendaires. On se met bien. On se met bien. Toutes les orbes rivaux et tout, là, elles ont disparu. Donc, je vais attendre que ça revienne. Les orbes vilains, je sais pas quoi, là. Pour lesquels j'ai eu plein de... Les orbes de raid ou je sais pas quoi, là. Donc, tout ça a disparu. Donc, on va les ouvrir une prochaine fois, quand il y aura des bons persos dedans. Là, pour aujourd'hui, c'est quoi ? On va en rester là. On va en rester là sur les ouvertures. On va juste voir en événement. Parce que normalement, j'ai récupéré de quoi débloquer Tachanka 6 étoiles. J'ai chopé Kinner 7 étoiles cette semaine. J'espère que vous avez bien monté votre Kinner aussi. Normalement, j'ai ce qu'il faut hein, pour voilà. Pour Tachanka 6. Tachanka qui a un peu de mal aujourd'hui hein, à se faire voir en arène. C'est plus facile de rentrer bah, voilà, des nomades, éventuellement H. Ce qui est Fischer et Anna Grimsdottir dans votre équipe d'arène. Évidemment, Doc, c'est le perso, je pense, numéro 1 en arène. Du coup, c'est un peu plus dur pour ce petit Tachanka, même si on est très content de l'avoir en guerre d'alliance, en guerre de territoire notamment. Très pratique dans ce mode de jeu-là. En arène, ça reste un perso décent, hein. Si vous mettez Gridlock avec, ça reste correct. Maintenant, moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec Tachanka, parce qu'il y a quand même beaucoup de persos qui vont étourdir, qui vont infliger peur et tout. Donc, ça peut être très, très gênant pour des persos comme Tachanka, qui ont un actif très, très long. Un actif très, très long, qui peut se faire interrompre et tout. Donc, ça peut être difficile pour Tachanka aujourd'hui en arène. De nos jours. C'est plus le règne des Anna, Fischer, Doc et des trucs. Des trucs comme des R6 Blue. Des trucs comme les copains de Kinner, les Renégats. Je pense à Parnell et à Viviane Conley. Qu'on retrouve dans pas mal de teams d'arène en ce moment. Et voilà, un petit Tachanka 6 étoiles. Et du coup, on va juste le level up. Il est juste là. Le Tachanka de Noël. Magnifique. Avec sa mitraillette de ouf. Et on le passe 6 étoiles. 25,8K. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça sert encore en guerre d'alliance. Les Tachanka. Bon perso. Ça reste un bon perso. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon réveillon et un bon Noël. Que vous avez eu plein de cadeaux, que vous avez bien mangé, bien bu. Et faites attention à vous les petits gars. Un petit like, un commentaire, un abo, une cloche si vous avez kiffé. Moi je vous dis à la prochaine les gens. Enjoy, ciao. Through the day on Scruggs and Skaggs, booking their bails to those Tennessee jams.